vraiment. Sinon, c'est un poisson vraiment compliqué. Donc, l'attraper, c'est compliqué. Donc, on est obligé de paniquer et tout ça là. Voilà, c'est un peu ça. Waouh, c'était incroyable, surtout au moment où il fallait attraper les poissons qui sortaient du bassin avec la boue qui traînait, c'était compliqué, les poissons fuyaient entre les jambes, c'était incroyable. J'espère qu'on va encore prochainement faire ce genre de choses encore. Après la pêche, on trie les gros poissons et les petits. Les gros, on va les savourer tout à l'heure à la braise et au bouillon. Mais les petits, on va les remettre dans le bassin pour qu'ils se multiplient de nouveau. Voilà. C'est une activité que l'on fait. On devrait faire deux fois l'an. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu la faire le 12 mars, date de mon anniversaire. Mon mari a institué ça comme ça. Tout le 12 mars, on vide notre bassin et on invite les amis, les parents pour déguster le poisson. Voilà. Mais vous avez vous-même vu que la pisciculture n'est pas une activité difficile à exercer au Gabon. Vous avez vu dans le petit bassin là, malheureusement, vous n'avez pas pesé. Vous aurez vu combien de kilos de carpe on a pris. Et surtout le gros silure que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comme je vous le dis souvent, il y a des activités qui peuvent être des activités génératrices de revenus et qui ne nécessitent pas un grand capital de départ que tous les Gabonais pourraient exercer en vue de lutter contre le coût de la vie. Lutter contre le coût de la vie, ce n'est pas seulement la réduction des impôts, c'est aussi des activités d'autoproduction comme ça.